Bonjour toutes amies, toutes fanatiques, faisons la caillou. C'est un plaisir pour moi ensemble avec nous, pour me capable présenter nos informations. Moi, remercie tout le monde qui sont live, qui toujours absurde, qui courent avec nous même affaire. Pas oublier information que nous même nous portons pour nos boys ici et nous ramasser sur toute qualité nouvelle qui a passé, surtout qui diffusé dans radio, dans télévision en Haïti. Tout simplement, nous prenons, nous mettons pas bon ici. C'est juste ou même qui pas gain temps, cap travail, n'importe moment qu'on même au gain temps, ou capable venir disponible ici pour capable garder dans n'importe moment qui au même au gain temps. Qui sa nouvelle là? Nous connaissons l'émission Boukante la parole qui présentait chaque jour lundi pour vendredi et sur Radio Méga. Elle présentée par Guerrier Henry, Jessica Israël et Valestin. Et bien dans l'émission ça, nous connaissons, ils analysé et commenté problème qui a passé en dans pays. Et bien dans l'émission qui était présentée hier mardi qui était 16 juillet 2019 là, dans l'émission ça est analysé et côté que et Moïse Jean-Charles et ensemble avec un autre ancien candidat qui m'oublie dans le moment ça, ma bonne non plus devant. Il y a même campagne et dans l'émission ça, il fait connaître que et campagne était patrociné par l'agent Petro-Caribéa. Nous pourrons joindre tout détail ça et dans le commentaire qui pourra le faire dans la vidéo ça. Côté que animateur, il m'a expliqué comment que était gain l'agent Petro-Caribé qui était arrivé financer campagne Moïse Jean-Charles ensemble avec m'oublie non l'autre candidat, oui. Oui, ok. N'attendez pas d'animateur qui a dit nous. Côté que, et non seulement nous parlons d'une information dans la vidéo ça sous question l'agent Petro-Caribé qui a financé la campagne, mais nous parlons d'une série de l'autre information que peut-être nous ne connaissons pas, que nous parlons d'une, que nous parlons d'une chance pour nous capables d'arriver à faire connaissance ensemble avec eux dans la vidéo ça. Parce que c'était un bon rallye, mais un vini, qui a fait une bonne analyse, qui a fait dans le dossier ça. En suivant comment ça a déroulé dans l'émission Boukante la parole. Mais quelques années plus tard, ben la tourner contre lui, il fait le bruit Donald Trump. Et la loi du karma, pas rien à faire, pas rien de monde dans ça. Quelque part, on va équiper fort que ça. Mais. Je vais faire un débat sur le niveau intellectuel et Jean-Baptiste en soi. Parce que, on a pris le temps pour qu'on monde ici. Et on a toujours mis une bonne étiquette sous. Mais si vous n'avez pas un doute sur lui, c'est que monsieur Sonnet qui remet pays. Et monsieur Sonnet qui foncièrement honnête dans le fonctionnement. C'est deux barres à me garder. Et pour question intellectuelle, si moi-même, il y a un plus gros problème que je vais monsieur, je vais apprendre trop vite. Trop plein mon beau pays. Trop radical, trop remède de vérité. Peut-être la noyé, monsieur. Il y a des gens qui ont toujours critiqué, monsieur. Mais en Haïti, il y a peu de vérité. Il y a peu de vérité. C'est un pays où il y a peu de la vérité. Il y a toujours dit ça, mon cher, ou pas d'expérience politique. Parce qu'on dit que l'argent est lié. Donc aujourd'hui, il y a un groupe, quand monsieur a parlé, il me pose une question. Il me dit, est-ce que vous ne mettez pas Patrick Norame dans le rapport? Même dit, le 23% vous mettez Patrick Norame, est-ce que André Michel Bral défend Patrick Norame? Parce que c'est l'avocat de Patrick Norame, ancien directeur BMP. Il y a un rapport dans l'UCREF qui accuse Patrick Norame. Patrick Norame, c'est BMP de Belle Petro-Caribé. Hein? Mais André Michel, c'est avocat, monsieur. Ça veut dire, à un niveau quelconque, un gars, c'est avocat, on est qui il n'a pas trop caribé. Il veut dire ça, le dire. Et puis, nous ne pouvons pas être tout le monde. Moi, je vous un ami là, Francis Carasouer, qui va le faire parler de Petro-Caribé. Je ne suis pas un prophète de malheur. Pas jamais mettre dans la tête. Pas jamais essayer de mettre dans la tête une fois même. Pas jamais une fois mettre ça dans la tête.
pouvez joindre un l'État, vous pouvez joindre un système judiciaire qui poste le niveau Sénat. Vous oubliez ça. Il y a un excellent peu de Caraïbe qui fait élection en 2010. Résolution prend encore dans Petro-Caribé. On parle de 193 millions. Et mais là, juste les Saint-Ap monté, fait élection, ouais, bel tableau à gauche, à droite, etc. Ouais, mais pas même l'argent. Anna Kassi, toujours dit ça. C'est Chita, Chita, la Kalili, ouais. Il y a pour te marier, il y a pour te traiter, bagay, bali. Ma propre, qui t'y élection fait en 2009? Ok? Qui baille Wenceslas Lambert, qui baille qui l'autre plusieurs nègres l'espoir. Qui s'est élection fait en 2010 après tremblement de terre de janvier, quand on a une belle affiche à gauche, à droite, etc. Mais ça c'est unité. Dans un premier temps, c'était l'espoir. Dans un second temps, c'est unité. L'argent à gauche, à droite, a distribué, mes côtés, monsieur. Et belle l'argent de Garbé Gaboulé. Moi, bon exemple simple. Le Laurent Lamothe débarqué dans la Tibonite. Yuri Lato, tu as vénéré mission, on parle de 5 millions. Plusieurs mesdames qui bien avec des sénateurs, ont joué un contrat, etc. Mais là, je vais te garder, oui. Mais oubliez ça. Si tu as des firmes, par exemple, qui construisent l'hôtel pour des nègres dans le pays, n'oubliez ça, monsieur. Ça est Petro-Caribé. Belle Petro-Caribé. Comme si tu n'es pas capable. Vous imaginez, moi-même, un directeur général, hein? Qui parle avec, et puis monsieur dit, mon cher, etc. Monsieur, bon, monsieur, bon, 500 000 gouttes. Pourquoi le directeur général a comme ça? À l'époque, Petro-Caribé a bouilli dans le bureau, monsieur. Je suspecte que c'est Petro-Caribé, ça avait comme ça le tout là. 500 000 gouttes, ça là. Depuis où il a demandé l'argent, il a commencé à joindre l'argent, il manquait 500 000 gouttes, il m'a pas fait un chèque de direction pour mettre des GIL. Comme si seulement qu'à songer, ça va, aucun autre journaliste qui songeait. qui connaît le divin comme si c'est seulement que son fait ça, mais ce n'est pas possible. Bon, normalement, pour conscience, je suis fait ça. Je suis supposé mettre les noms, mais je vais mettre les noms comme ça. Là. Pierre Espérance, dernièrement, Pierre Espérance, 1 million soutenant BMPAD. Pierre Espérance, comme ça, sorti. BMPAD, c'est les gains fonds Petro-Caribé. Comme si Pierre, personne n'a pas commandé Pierre. Bon, il y a des autres journalistes qui disent ça va rien. Mais c'est un petit pays facile ici. Il faut une colonne pour fonctionner. Il faut une colonne. Comme si Petro-Caribé, personne ne prend un Petro-Caribé. Pas un problème, monsieur. Bon, c'est le peuple qui mange. Nous n'avons rien nous-mêmes. Oui, le Joseph te dit. Monsieur dit, on a fait Petro-Caribé, n'a pas parlé là. C'est sénateur avec député qui mange. Et ça, oui, l'autre dit, nous sommes. Si y a mari là, non, ne qui vole l'argent Petro-Caribé. Sénateur, député. Steven Benoît. Nous pas Jean Blio. Ou t'es seul député. Nous sommes en 2008. Radio Mickey. Là, y a pas de rapport l'argent Petro-Caribé. Tout n'est de là. On parle de 57 millions. Oui, seulement Steven Benoît. On est qui foncièrement honnête dans ça qui gagne avec gestion l'argent, etc. Ça qui arrive, il y a d'autres problèmes. Mais on est qui correct dans le fonctionnement. Steven Benoît. En tout cas, nous allons faire parler de Petro-Caribé. Ça, précision, ça, on me développe pour vous. Il y a des combats où on a mené quelqu'un en ligne, il est dans la ligne. Et là où, par exemple, on veut être, m'a dit dans la radio, j'ai deux amis en politique, c'est parce que nous avons ça. Nous avons compris la politique, nous avons une ligne, et c'est les nègres que m'a suivi. M'a veillé autour. Nous, depuis 2006, M. Kembe ligne. Je dis, hein, peut-être, on nègre, v'là j'étais Jovenel pour prendre pouvoir, ça c'est autre chose. Jovenel ne dirige absolument rien, il est extrêmement incompétent, on le sait, on le constate, cependant. L'autre pouvoir, le pouvoir exécutif, là, l'extrêmement incompétent, tout. Il n'est pas capable. Sous quitter Jovenel Ali, et bien que ça aurait été,
yo mette premier ministre. Depuis que premier ministre, ça veut dire qu'il contrôle le gouvernement. La tourner dans l'élection, la besoin de moyens. Justement, sous formule comme ça, nous faut tout négocier à l'inette. Ça, c'est ma position et mon clé sous lui. Mais comme je veux dire, l'obligat de la rue, un pays a senti, mon yo a souffri, c'est vrai. Mon, comme si je n'avais pas aucun mouvement non, pour y débarrasser le pays de mon zao, de ses incompétents. Je n'avais pas mais un mouvement comme ça, c'est bon. Imagine moi parler avec un mec qui est en opposition, me fait proposition sur moi qu'on fait. Je dis mais quoi là où sont jeudi. Comme si on mourir pauvre. Ou pas dans faire l'argent tout même. Ou pas dans comme si qu'a mettre des monou etc. mais ça n'est pas parce que tête monsieur à quoi sont jeudi pas aucune chance ça. Et c'est vrai pas aucune chance ça. Mais bon monsieur pour 3 ans et puis monsieur corriger deux trois bagailles. Je ne vais pas arrêter de trois nègres ou bien bloquer compte des nègres qui ne peuvent pas payer l'État. Même je le fais avec Yuri Mez. Yuri Mez ne veut pas payer Méri Delma. Ou son jeudi bloqué contre lui. Non, il y a un nègre comme si pas payer Méri Delma. Sous prétexte que c'est Milat, des petits bourgeois. Mais voilà ça. Il faut un nègre qui a une graine qui ne peut pas payer personne. Vous comprenez? Oui, on a qui dit oui, Jean-Charles Moïse était dans l'élection. Jean-Charles Moïse était dans l'élection 2009. Yo. Et gagnant tout Pierre-Franck Alexis était dans l'élection 2009. Yo. Ou Wences Kassambe était dans l'élection 2009. Yo. Élection Préval 2009. Non, n'oubliez. Élection Préval 2009. Et monsieur, juin 2009, tiens Sénat. Et Petro Caribic fait élection ça. 187 millions. Et lui fait élection ça. Et ça m'a quoi l'espoir gagne 7. 7 à 8 postes, moi 7 postes qui te gagne. L'espoir pour compter te gagne 7 postes. Hein? Justement. L'on est un sénateur comme ça, c'est pas quoi bien. Gon groupe de monde qui a financé. Et prévalte monte structure ça pour te ka pérenniser sous pouvoir, pour te ka pour mouvement sa te karité net. Ou songe, c'est même M. Sarou qui a changé la constitution. Hein? Nous songez, en faveur, malheureusement, elle a mal viré. C'est une toute histoire, ça. C'est un rappel. Vous comprenez? Ça veut dire, les autres ont dépensé comme pour dans le sud pour Pierre-Franck Alexis. Les autres ont dépensé pour Jean-Charles Moïse. Il n'y a peut-être pas de gens qui posent des questions. Mais les autres ont maillot à pantry, belle bande, l'argent dépensé en vêtement dans l'élection. Nous avons posé des questions. Connais-je l'argent ça? Mais Petro Garibelli, monsieur. Ma boule. On va te poser la tournée et puis nous allons parler avec invité nous mais Charles Mas à la côté qui est causé papa.